à tous. On est parti déchaumer pour couvrir le couvert. Là, c'est un couvert avoine rude facélie plus trèfle d'Alexandrie et Niger. On va regarder un petit peu ça. Et je trouve que c'est un peu profond quand même. Là, j'ai enlevé une cale sur le déchaumeur parce que là, il y a de la fraîcheur encore, c'est tip top ça. Mais ouais, je pense que je gratte de trop. Ah, ça y est, bah, je retrouve des graines. Une graine de trèfle. Ouais, c'est bien assez profond. J'enlève une cale. Alors là, on l'avait pendu avec le vicomte. Vous voyez là, il y a l'avoine, du trèfle, le Niger, je peux pas vraiment vous le montrer parce que c'est tout noir. Et là, facélie, c'est pareil. Et on en profite là, tant qu'il y a un peu de fraîcheur. Et ce qui est bien, c'est que, vous voyez le premier déchaumage, il y a les repousses de blé. Repousses de blé qui sont en train de sortir. C'est à la veille de net, hein, voyez là, toutes ces repousses de blé, ça va être détruit. Ça va être détruit. Et il y a quelques raies gras et diverses cochonneries qui restaient de l'autre jour qui vont être détruites. Ouais, il va falloir que je remonte. Là, j'ai enlevé une cale et il faut que je remonte le rouleau. Et puis ça va être bon. Alors, au moins cette année, on a de bonnes conditions pour faire nos couverts. Alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est ça. Voilà, ça s'est remonté. Et puis c'est parti, hein. De là, on avait passé un coup de cover crop. Bon, il y a maintenant une bonne dizaine de jours. Déjà, ça poussière déjà. Vous voyez les tournesols, dans 3 semaines ils seront bons à battre. Oh ouais, ça a l'air d'être mieux le réglage. C'est les petites graines, faut pas trop les enfouir quand même. Même que la facélie, quand même, je vois que c'est une graine qui adore être dans l'obscurité pour germer. Mais là, ouais, c'était trop. On va voir la différence, là, mais... ça me plaît mieux. Ça me plaît mieux. Ça me plaît beaucoup mieux. Ah, c'est que là, on grimpe. Ouais. On voit qu'il y a de la fraîcheur, ça va être bien. En plus, avec le double rouleau, là... je vais pas repasser un rouleau derrière, hein. Là c'est une argile, ça devrait germer assez rapidement et faire un joli couvert.
Et je pensais pas faire de la poussière sans toi quand même. Ouais, c'est beaucoup mieux. Oh, et là en plus le débit de chantier est pas mal. Et ça tire pas, c'est ça qui est bien là. Ouais, ça va être top ça.